Aïssa, on parle de votre combat pour la diversité au cinéma, on se souvient de votre prise de parole au César, on se souvient de votre regard noir documentaire qui donnait la parole à 16 actrices françaises noires et on se souvient aussi de ce que vous avez raconté plusieurs fois dans des interviews, c'est-à-dire vos débuts dans des castings quand vous répondiez à des annonces qui disaient « Cherche comédienne 20-25 ans », les gens étaient stupéfaits de vous voir arriver, vous regardez comme une... Martienne, ça a changé. Oui, je crois que les gens se sont habitués à nous regarder comme de vrais humains. Euh, oui, les choses évoluent, si c'est ça la question. Les choses évoluent. Maintenant, il faut peut-être regarder les choses pas simplement sous le prisme de, de l'opinion, mais plus avec des données chiffrées, des choses un petit peu tangibles sur lesquelles s'appuyer pour continuer à faire avancer les choses, pour que tous les talents puissent être représentés. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donnez-nous ces... Ces données, donné. -ce vous en parlez Oui, si vous les avez. Il y a des chercheurs hein, qui, font, qui, font, ouais. qui font ces travaux-là. Et les dernières, je ne les ai pas. Je ne pense pas qu'elles soient sorties. Mais en tout cas, les dernières études sur le monde du travail, y compris le cinéma, en France, sont un tout petit peu décevantes en termes de, de résultats. Et je pense qu'on peut juste faire beaucoup mieux. Mmh. On Mais... peut faire mieux parce qu'on est un pays très métissé, parce mmh. qu'on qu est un, un pays avec beaucoup de talents, avec une industrie du cinéma qui est quand même très vivace et qui. Voilà, qui est, qui est résiliente. Euh... Est-ce que vous iriez à, à militer pour des quotas, par exemple Alors, si vous voulez, vous m'invitez une autre fois. Et alors là, on va vraiment ouvrir le débat, parce que là, c'est question, que des questions qui sont complexes et, oui. et à part dire des choses de manière un peu lapidaire, c'est un peu compliqué de, sans rentrer dans le détail, de, de dire quelque chose d'intelligible pour les gens qui ne sont pas concernés au premier degré ou qui n'ont pas déjà euh, donc, euh, donc, ne se prononce pas. Il a pas de piège, Mais en ma tout question, cas, ou... non, non, je sais bien, je sais bien qu'il y a pas de piège. Mais en tout cas, il me semble qu'on peut faire des choses très simples au-delà des quotas parce que la question des quotas, elle est très binaire, elle, oui. elle sépare oui. beaucoup. Il y a des choses qu'on peut faire de, de manière beaucoup plus plus organique, plus. Plus simple. Hein. À l'écoute de cette société, peut-être, en fait. Déjà, si on crée des rôles euh, pour des personnes noires sans évoquer euh, leur couleur de peau. Ce qui est le cas dans le aussi. Ce pas, pas un sujet. Oui, il ouais. enfin, faut arrêter les sujets sur euh, euh, la couleur de peau ou l'orientation amoureuse ou euh, la transidentité. En fait. Euh, on fait partie de la même société et on est représenté partout dans les rues. C'est-à-dire que on voit des homosexuels, on voit des noirs, on voit des vieux, on voit des enfants. Et euh, on a le, tout le monde a le droit d'être représenté à sa juste valeur, selon euh, ce qu'il est dans la société. On peut pas être dans une blanchitude absolue tout le temps, quoi. Et puis le travail, c'est en train fait, de changer, parité, hein, mais bon, euh, il est, je pense, qu'il peut beaucoup nous, nous inspirer parce qu'il y a dix ans. Il y avait beaucoup moins de femmes réalisatrices qu'aujourd'hui. Mmh. Il y avait beaucoup moins de techniciennes qui avaient euh, accès à certaines opportunités. Et il y a eu des résistances. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mmh. C'est vraiment le fruit d'un travail en commun. De, de prise je pense que parole. sur la question des discriminations raciales, on, on peut vraiment faire mieux. Andrea, vous continuez à côté de, de ce scénario qui mêle à la fois les personnes âgées. Euh, les enfants et les soignants. Euh, vous continuez bien sûr à lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Chaque jour, sur votre compte Instagram, vous dénoncez mm -hmm. une affaire, un cas, euh, un cas maltraité ou un cas euh, qu'il faut absolument prendre à bras-le-corps. Et vous n'avez pas hésité, on a, on en a parlé, mais on veut le, le réentendre. Vous n'avez pas hésité le mois dernier à vous faire entendre face à la secrétaire d'État, Marlène Chiappa. Oui. Quand j'entends c'est de la faute du gouvernement parce qu'une femme a été tuée par son mari quand il n'y a pas eu d'alerte et ce sont des cas qui arrivent, je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est une déresponsabilisation de l'auteur de ces violences. Donc c'est la première dehors La deuxième pourquoi chose, c'est pas moi qui le laisse toujours... dehors, non, mais mais quand il n'y a pas d'alerte, vous ne oui, faites système... rien contre la des non. agresseurs. Enfin. Non. non, moi je ne peux pas entendre qu'on fait rien une femme qui meurt tous les deux jours. la vous Oui, je vous l'apprends visiblement à votre place, honnêtement. Je ne serais pas comme ça. À un tout moment... détendu en train de sortir un livre, vous voyez. Mais vous... Franchement, franchement, moi je trouve non, ça juste honteux. À... Moi je suis si désolée, mais je non, vais pas non, laisser de Non, pas non, le là, pas non Ma... mais je suis Ma... désolée, Ma... me pardon. dire à moi que je découvre les violences sexuelles. Ma... Mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil. Vous trouvez que c'est serein de me dire à moi que je connais pas les violences faites Et aux femmes Pourquoi a... je suis engagée sur ce sujet depuis l'âge de 15 ans il faut démissionner. Vous avez une formule, Andrea, on va pas commenter puisqu'elle était restée, finalement, vous aviez continué à. À ne pas être d'accord. Euh, vous avez un, en même temps, bien à vous, qui me, qui me plaît bien. Euh, vous dites être de gauche sur la prévention, <laughs> sur ces dossiers, et de droite sur la répression. Oui, vous avez lu ça dans Le Monde ouais. Ouais. Euh, Oui, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a une, clairement une très grande impunité des agresseurs en France. Euh, depuis MeToo, ça ne s'améliore pas. Il y a toujours autant de classements sans suite, en fait, hein, ou de non-lieux. Donc on nous demande de porter plainte tout le temps, ce que font les femmes, ce que font les enfants. Et, euh, et au final, euh, il n'y a toujours pas de résultat dans, euh, dans, euh, dans l'accompagnement des agresseurs. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre en prison euh, ces gens. Les non-lieux, c'est la tout, faute des juges ça. ou c'est la faute de qui C'est la faute d'une très grande mentalité. C'est une mentalité à changer, c'est une culture à changer en fait. On a toujours tendance à croire que les victimes exagèrent. Minimi... Enfin, on, on minimise énormément la parole des, la récurrence, des victimes. Les, les non-lieux, et... c'est les juges qui les prononcent, c'est la faute des juges. Alors, il y a les juges, oui, c'est pour ça que je vous parle de mentalité. Je pense oui. qu'il y, y a toute une culture à changer, même au sein de la magistrature. Ils sont en majorité féminins, les juges, aujourd'hui. Alors, euh, oui, non, mais vous savez, il y a beaucoup de femmes qui servent euh, clairement le patriarcat et qui protègent non. les hommes violents. Il y en a beaucoup, hein, malheureusement. La sororité, ça aussi, il faut, euh, faut qu'on qu puisse la développer euh, à plus grande échelle. Mais euh, oui, le patriarcat est très souvent aussi défendu par des femmes. C'est tout un système à, à, à revoir. Après, la justice, oui, euh, il y a une formation. Total sur les psychotraumatismes. Donc, le problème, c'est toujours la charge de la preuve. On demande la charge de la mmh. preuve. Par exemple, une personne comme M. Ménès, qui a été accusé à trois reprises, il y a trois plaintes. Euh, il y a une plainte, une agression qui a été filmée. Donc, cette agression, on ne pouvait pas dire qu'elle n'existait pas. Ils ont été obligés de le condamner. Alors, il était condamné à euh, quelque chose de dérisoire, deux mois Mais de prison avec sursis. Oui. Et les deux autres plaintes ont été classées. Donc, si vous voulez, c'est une qu aurait est dû ça le condamner, condamner sans Preuve. Non, c'est pas ça, ah bah si. c'est que plusieurs témoignages à des endroits différents, en plus, à des années différentes, si vous voulez, sont quand même des signaux assez importants quand il s'agit d'un homme qui, en plus, a eu des comportements extrêmement désobligeants avec beaucoup de femmes sur des plateaux ou hors caméra. Ou... Voilà, donc c'est ça aussi qu'il faut entendre, c'est comment se comporte une personne. Il y a rarement de fumée sans feu, vraiment. Si vous voyez, par exemple, dans toutes les célébrités qui ont été accusées de violences sexuelles, par exemple, il n'y a vraiment aucune fumée sans feu. Chaque personne, je veux dire, que ce soit M. Hulot, que ce soit, je sais pas, M. monsieur M. Depardieu, il y a des témoignages et des témoignages et des témoignages à de chaque fois qui, qui incriminent ces personnes. Et je me souviens d'un ami journaliste qui me disait Mais tu te rends compte, Andrea, si quelqu'un, si une femme, moi, appelle Radio France, France Inter, France 2, France 5, pour dire que je l'ai violée, mais ma carrière est foutue. Je dis Ok, mais alors, du coup, tu as violé quelqu'un Il m'a fait Bah non Je dis Bah alors, tu n'as rien à craindre. Parce qu'en vrai, il hein, n'y a pas de, de témoignages, il n'y a pas de personnes qui mentent. Ce sont des choses, mais c'est extrêmement, extrêmement en fait. le, dérisoire. Est très, très, très on est sur un... Mais, mais, sur le mais, sujet, C'est dérisoire. Et on va d'abord penser à ça. Vous voyez C'est en ça qu'il faut changer de prisme dans cette société.